Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Entre le PSG et le Real Madrid, les hésitations de Kylian Mbappé continuent de faire parler de l'autre côté des Pyrénées. Au début du mois, l'attaquant parisien a assuré être toujours dans l'incertitude. Je n'ai pas décidé, je suis tranquille, je prends le temps de prendre la meilleure décision car je ne veux pas me tromper, a-t-il ainsi assuré aux sorties du match face à Lorient, évoquant de nouveaux éléments à prendre en considération. À l'en croire, une prolongation au PSG est donc toujours possible. Toujours possible, oui bien sûr, a-t-il affirmé au micro lors de la victoire du PSG face à Lorient 6-1. En Espagne, où sa signature au Real Madrid était considérée comme acquise par de nombreux observateurs, l'inquiétude affleure et ce malgré l'accord verbal donné par le Bondinois aux dirigeants madrilènes cet hiver. Une volte va se désormais envisager et pour s'en prémunir, le club merengue compterait revenir à la charge avec une nouvelle proposition selon Mundo Deportivo. Et pour contrecarrer les plans du PSG, les merengues auraient décidé de revoir leur offre à la hausse. Désormais, les leaders de la Liga seraient prêts à s'aligner sur la dernière offre du PSG avec un salaire de 50 millions d'euros net et une prime à la signature de 100 millions d'euros, un salaire qui en ferait non seulement le joueur le mieux payé de la planète devant Neymar et Léo Messi qui émergent, eux, respectivement à 48 et 40 millions d'euros net, mais également de l'histoire du Real Madrid devant un certain Cristiano Ronaldo n'ayant jamais touché plus que 25 millions d'euros chez les merengues. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est une excellente idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut.